tout ça, je ne m'occupe pas de ça. Il y a seulement une seule parole que le secrétaire d'État américain avait dit à Kabila qu'il se représente aux élections, qu'il ne viole pas, qu'il ne révise pas la constitution. C'est le même message qu'ils ont venu transmettre et on doit organiser les élections à tous les niveaux maintenant. C'est ce que j'ai compris. À tous les niveaux, contrairement au calendrier Maloumal. Bon, c'est toujours bien, c'est tout ce que nous disons tous les jours. C'est tout ce que nous. Moi, je veux. Parce que. On est tenté de me créer des problèmes dans la télévision Congo Web. J'ai passé une émission le lundi passé. Il a fallu que cette émission-là soit mise dans le Facebook pour que tout le monde puisse suivre. Mais dommage qu'ils soient. Oh non, c'était. Moi, j'avais dit ceci. Oui. Maloumalou, c'était un expert à la présidence de la République depuis 2001. Oui. 2003. Oui, oui. On avait envoyé pour traiter les affaires de la présidence. Donc, il est avec l'actuel président de la République à connivence. Donc, jamais de la vie, Maloumalou ne peut prononcer dans sa bouche un opposant est élu président de la République en dehors des gens de la majorité. Je dis que même si on mettait un chien de leur côté, Maloumalou va toujours proclamer ce chien-là président de la République. Alors, lui, Maloumalou, il n'a pas le droit d'organiser les élections basées comme il le fait, en fonction de quoi? Parce qu'il est vomi par la majorité, par nous, les opposants, il doit partir. Et s'il ne part pas, nous allons retirer les membres de l'opposition qui travaillent avec lui. Comme ça, il va le faire de sa façon pour proclamer, je ne sais pas, un chef qu'on va mettre là-bas pour gagner les élections. Voilà en gros ce que j'avais dit. Et j'ai parlé avec l'homme de Brazzaville, parce qu'on n'a pas un leader, on n'a pas un président de la République qui peut défendre la nation de ce qui se passe à partir de Brazzaville. Sassou a trouvé un adversaire trop faible qu'on peut marcher dans sa tête pour l'écraser sans qu'à contrepartie, il y a une petite résistance. Voilà, c'est ce que j'avais dit et moi je crois que le message était suivi 5-5 par l'ensemble de la population congolaise et des citoyens. Bon, j'ai vu le. Non, mon message a été relié par une phrase de l'opposition qui s'était réunie. Et qui a demandé aussi que, sinon, on va retirer les membres de l'opposition dans les histoires là-bas de la CENI. Et tout ce que j'ai dit, tout le monde a ça dans sa tête. Tout le monde a ça. Et j'ai présenté la preuve que Maloumalou, il était un agent, un expert à la présidence de la République. Donc je crois que l'opposition est au courant. On me pose des questions de temps en temps. Je réponds. Mais parce que moi, le problème, c'est quoi? Moi, on m'a tout, le pouvoir sait tout que je n'ai même pas 10 dollars dans mes poches. Donc, okay. Ils ont envoyé quelqu'un qui est venu abîmer ma Jeep, c'est-à-dire que le moteur de ma Jeep est bloqué comme ça. Et puis, mon argent, on refuse de me payer. Donc, je suis là à fixer financièrement, mais je suis avec les peuples. Et ils ne veulent pas parce qu'ils savent que si j'ai l'argent, directement je commence à faire la tournée à l'intérieur du pays. Parce que tout le monde me réclame. C'est pas là alors. Moi je suis en train d'observer, je suis en train de voir ce que je vais faire pour ne pas les laisser chalibre de s'occuper des affaires du Congo alors que la plupart ne sont pas des Congolais. Voilà ce que moi je suis en train de vivre ici comme ça. Je me trompe pas. L'opposition est consciente que le pouvoir à place ne veut pas céder. Parce qu'on voit certains petits lieutenants de pouvoir parce que non, on doit réviser la constitution parce que M. Kabila a fait que 8 mois seulement à la tête du pays parce qu'il a gagné la guerre. Voilà, ça ce sont des petits amateurs qui viennent se mangourer, des petits renards flatteurs. Mais nous avons compris dans l'opposition. Ça c'est mon rôle. Mon rôle parce que quand vous allez m'écouter, et c'est le peuple qui est très content de ce que moi j'ai fait. Ça, c'est mon rôle. Moi, je suis un infatigable et un incorruptible. C'est pas pour rien qu'ils ont braqué leur missile vers moi pour m'asphyxier à tout. Mais ce n'est pas une raison qu'on va se fatiguer parce qu'on t'a asphyxié. Non, ça, c'est rien du tout. Au contraire, on est en train de me donner la plus grande forme. Mais l'opposition est là-dedans. L'opposition se cherche comment à débarrasser de M. Kabila. Et ces petits lieutenants qu'on a installés. Parce que notre handicap ici, c'est qu'on nous a placés à la tête, un certain Kanyama, à la tête de la ville de Kinshasa. Lui, il est là pour soutenir.
Ça, les c'est étrangers. Macabre. Quand quelqu'un veut faire sortir la tête pour faire la marche, il est là pour étouffer tout ça. Mais il y aura un moment où nous allons haranguer la foule. La ville de Kinshasa va tomber le même jour. Voilà. Oui, je suis comme ça. Quoi, parce que avec lui, Kabila, on ne va pas organiser de bonnes élections. Moi, je suis candidat. Mais quand je vois ce qui se passe, donc c'est-à-dire que je risque de se moquer de moi-même. Parce qu'il a tous les atouts. Il a tout bloqué, verrouillé partout. La race, c'est lui. Il faut ses populations, c'est lui. Et tout ça, c'est lui. Et il veut l'insécurité, c'est lui. Alors maintenant, on doit réfléchir comment on va faire pour que lui aussi puisse être dans l'insécurité. Comme ça, les choses iront bien. Iront bien. Parce que sur le... Moi, je serai candidat. Mais je dis, la femme là, c'est quoi? C'est Olive Limbe. Hein? Olive Limbe, on a déjà commencé à faire des actions pour elle. La femme, et même les femmes, c'est une chose de vie. Si tu vois que le petit Francis Galombo vient dire et montrer que le plan est déjà conçu, c'est Olive Limbe qu'on est en train de populiser pour qu'elle soit présidente. Mais là, entre nous, c'est-à-dire qu'on est en train de se moquer de nous. On ne peut pas continuer à se moquer de nous comme ça, de petit Francis. Si Olive Limbe est présidente, c'est-à-dire qui va gérer les pays. C'est toujours son mari. Bon, le problème, c'est qu'en Europe, j'ai un représentant. Andy, il est en Suisse. Il coordonne tout là-bas. Et tout le monde doit entrer en contact avec. Ok. Alors, à ce moment-là, moi, je ne dis pas que j'ai peur des élections. Parce que, ils ont déjà... Ils se sont discrédités en tout. Ils sont en train de chercher la force pour se maintenir au pouvoir. Mais, mon frère, moi je ne peux pas. Donc ici, moi je les ai dit à la télévision, qui peut me battre aux élections ici? Il dirait quand même c'était un Rwandais, Burundais. Le peuple ne va pas les voter. Hein? Quand nous allons battre les campagnes, nous allons tout dire. Il ne faut pas qu'un pays au déshabille ses pôles pour habiller ses pierres, non? On a donné $1 million à Cameroun, on a donné $1 million au PPRD, on a donné $1 million au Vieux délimité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont déjà choisi leur fils. Ils sont en train de faire léger avec les pouvoirs à plaque, hein? Mais vous n'affectez pas. Okay. Le même Francis Kalombo a déjà dit qu'il est leur type, hein? Et nous voyons des actes. Il y a que lui qui a le droit de voyager, il doit faire, on lui finance à tout moment. Mais nous autres, on nous copie que pour avoir des moyens. Mais lui, on lui donne des moyens par les pouvoirs et par les Américains. On a compris ce qui se passe. Il ne peut pas citer. Parce que nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. Je vous ai dit. Je vous ai dit ce qui se passe. Moi, je suis politicien. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Ok. Hein? Moi, ça, ça m'a... tout ce que j'ai dit est accepté par la population. Voilà. Vous voulez. Libre. Hein, on a gagné les élections, on reste à la maison. C'est pas possible, c'est pas possible. Ah, donc vous êtes maintenant contre Tshisekedi puisqu'il ne fait rien. Non, Tshisekedi il est tellement vieux, mais je ne peux même pas le critiquer. Je l'ai toujours défendu. Mais quand je pense à cette histoire-là qu'on a gagné les élections, mais on reste calme, ça me fait mal au cœur. Okay. Quand je suis sorti de la prison, la première personne qui avait envoyé sa voiture pour venir me récupérer, allait me questionner, c'est Tshisekedi. Ah, okay. Et tout ça est passé presque partout, tout le monde a vu. Je ne peux pas être contre les vieux. Mais seulement, village, mais je vois que beaucoup de gens aussi n'ont pas voulu le soutenir normalement pour récupérer le pouvoir. Et pourtant, il avait gagné les élections. Oh, les mains. Ok. Président Moké, si vous avez un dernier mot pour que nous terminions cette interview. Non, le dernier mot, c'est quoi? Ils nous ont fait la force. L'Europe en général, l'Amérique et tant d'autres pays, comme vous avez connu mon nom. Et vous en faites pas. Soutenez-moi. Restez derrière et évitez de critiquer vis-à-vis de moi. Faisons en sorte que nous puissions récupérer le pouvoir. Parce que ici, sur le terrain, vous avez un adversaire, vous avez un frère, un ami, c'est Mokia. Ok. Les autres là, ils opèrent avec le pouvoir à tout moment. La nuit, ils sont avec le pouvoir. La journée, ils sont avec soi-disant le peuple. Mais je les connais tous. Tous, ils sont venus de là, ils sont venus du pouvoir. Tous. Ils sont venus du pouvoir.
Et pourquoi nous autres qui ont lutté depuis le roi Désiré Kabila, on a fait des prisons jusqu'à aujourd'hui et nous devons être pénalisés? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des vrais opposants et des faux opposants. Moi, j'ai vu tous ceux qui étaient avec moi, ils sont maintenant dans la mangeoire en train de manger pour faire de l'argent du pouvoir. Mais nous, nous sommes combattus. Pourquoi? Moi, je suis combattu parce qu'ils connaissent mon idéologie. Je suis là pour les peuples, pour la conquête des pouvoirs, et non pour l'argent, et non pour suivre quelqu'un derrière. Voilà. Et le pays est mal géré par les étrangers. Si nous continuons toujours à pleurnicher, je crois qu'on n'aura pas guère de cause. Nous devons lutter, nous coaliser tous ensemble. Mais de la main entre nous tous, les Congolais, je crois que le pouvoir à place va fuir. Nous allons organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Voilà. Merci beaucoup, Président Mokia.